Il est à peine 9h et dans les salons de coiffure, les clients sont déjà au rendez-vous. Après 55 jours de confinement, les commerces ont pu rouvrir leurs portes ce matin, mais pas dans n'importe quelles conditions. Dans les salons Mozer à Marseille, il a fallu tout réorganiser afin d'accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, désinfection du matériel. Ici, les mesures barrières sont strictes. Il a fallu réorganiser complètement le salon. On a aussi modifié complètement notre façon de travailler, où on avait un concept avec et sans rendez-vous. Donc là, le concept avec et sans rendez-vous, c'est un peu plus compliqué pour le mettre en place parce que on a été obligé aussi d'élargir le temps de chaque prestation. On a eu comme consigne de complètement enlever tout ce qu'il y avait dans le salon, c'est-à-dire magazines, produits, tout ce qui était vraiment superflu. Nous devons évidemment créer aussi un parcours client de manière à ce que chaque collaborateur et chaque client ait au moins un mètre d'écart entre chaque personne. Il parle aussi de 4 mètres carrés avec un protocole sanitaire où les clients doivent directement venir absolument avec un masque, avec des affichages officiels en devanture. Les clients doivent aussi, dès leur entrée dans le salon, se laver les mains directement. Nous avons aussi fait sur chaque poste de coiffage, comme vous avez dû voir ça, mis un genre de kit hygiène où il y a du gel hydroalcoolique sur chaque poste de coiffage, des sprays désinfectants pour désinfecter chaque poste, tout le matériel et les fauteuils. Nous avons aussi un protocole à usage unique en ce qui concerne le lavage serviettes et peignoirs. Donc on a pris l'option pour les serviettes d'avoir des serviettes jetables pour faciliter en fait l'organisation. Et pour la première semaine des réouvertures, les plannings du salon affichent déjà complets.